Good morning, allez, Iden. Les tu seras aujourd'hui l'Elo Nishmat Rachel bat Sarah Rivka bat Sarah Chaim Eliyahu ben Shalom Luski Eliyahu Venish et Lili Rachel bat Asher. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Baba, Metzia, Perek, He, Mishnah, Tet. Lo Yomar Adam Lachavero, Halveni Kor Chitin, Vani Etan Necha Lagoren. Aval Omer Lo Halveni Ad Sheyavo Beni, O Ad Sheem Tzam Afteach. Vehi Lelo Ser. וכן היה הלל אומר, לא תלווה אישה כיכר לחברתה, עד שתעשינו דמים, שמא יוקירו חיטים, ונמצאו באות לידי ריבית. Une Mishnah où la plupart des halakhot sont en fait entre les lignes. Mais on va déjà, le principe général d'abord, on l'a déjà introduit hier, c'était la notion de prêter CABCA. Supposons par exemple que je vous prête, 1 kg de farine et vous demandez 1 kg de farine. Or, le cours de farine évolue tout au long de la journée. Il y a en cela un interdit de prêter une mesure de farine contre une mesure de farine, une mesure de blé contre du blé ou n'importe quel aliment. On peut prêter que de l'argent contre de l'argent. Mais quelque chose qui n'est plus de l'argent, mais qui est ce qu'on appelle tiv'a, si ça vous rappelle, lorsqu'on étudiait le Perek d'Alet, donc quelque chose qui est péré, des fruits, ils ne sont pas eux de l'argent, mais ils ont une valeur. Et donc si je donne des fruits et je récupère ensuite la même quantité de fruits, il s'avère que la même quantité peut parfois augmenter, et donc il s'avère que j'ai prêté 10, je reçois 12. Notion claire. Maintenant, dans notre Mishnah, on va apprendre plusieurs permissions. En fait, il y aura une discussion, mais la halakha sera de permettre plusieurs cas un petit peu originaux où l'on peut permettre. On va d'abord faire la première partie dans les mots. « Lo yomar adam lachavero halveni kor chitin » Vani eten lach la goren. Un homme ne dira pas à son ami, prête-moi un kor, c'est une mesure, d'accord, de 30 séin. Donc, prête-moi une mesure de un kor de blé, vani eten lach la goren. Et je te rendrai lorsque nous arriverons à la période des granges, à la saison où on engrange le blé. Donc, d'ici 6 mois, je te rendrai alors la mesure de un kor. Pourquoi ? Parce qu'il est possible, même si ce n'est pas forcé, mais il est possible que le blé coûte un certain prix tout de suite, mais que le blé coûte plus tard ensuite. Aval, Omer lo alveni ad sheyavo beni o ad sheemtza mafteach. Par contre, je peux demander à mon voisin de me prêter un kor de blé jusqu'à ce que mon fils revienne et donc m'apporte un kor de blé que je n'ai déjà demandé d'acheter, ou que je retrouve la clé. Donc, on synthétise la notion, elle est simple. On parle en fait, cette fois-ci, où j'emprunte une mesure de un kor de blé, à la différence du cas de la Reisha, je possède un kor de blé, la même mesure que j'emprunte, je la possède déjà, seulement j'ai techniquement une impossibilité d'aller le chercher pour m'en servir, c'est pour ça que je lui demande. Le principe, il est très simple. J'ai le droit d'emprunter la mesure et de lui rendre la mesure dans la mesure où je possède déjà la même mesure de blé pour la lui rendre. Le principe, il est qu'à partir du moment où j'ai déjà, quelque part, je possède déjà cette valeur, donc en fait, on va imaginer qu'au moment du prêt, il reçoit quelque part ce qu'on appelle un chiboud, une mainmise, sur cette même mesure que je possède déjà, pour se faire rembourser, donc on considère d'une certaine manière comme si qu'il l'a déjà acquis en retour. Il n'a pas vraiment acquis. On va en parler d'ici vraiment quelques secondes, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Dans la mesure, c'est-à-dire, si j'emprunte une mesure de blé sans posséder du blé, et qu'ensuite ce blé augmente et que je vais rendre la même mesure de blé, alors il s'avère que là, je vais lui rendre du ribit, parce qu'il m'a donné quelque chose qui valait 10, et puis ensuite, je vais lui rendre quelque chose qui vaut 12. Mais lorsque j'emprunte une mesure de blé, que je possède déjà une mesure de blé, on va considérer comme si qu'il avait déjà pris une certaine possession, mainmise sur ce kilo de blé, donc qui a le même prix que le blé qu'il me prête aujourd'hui. Et de ce fait, lorsque le blé augmente, d'une certaine manière, on considère que c'est son propre blé qui augmente, et donc quand je vais finalement lui rendre du blé, alors je ne lui ai pas donné quelque chose qui a augmenté. Là, on est à fond dans du Derabanan, et d'ailleurs, ça va être quelque part la complexité de cette Mishnah et de cette notion. Avant qu'on illustre davantage et qu'on précise davantage de quoi, en réalité, tous les grands Chidushim inclus dans cette Mishnah, je tiens à préciser quand même
que cette halakha est essentielle. Je ne vais pas rentrer dans le problème du dollar ou de l'euro en Israël, comment est-ce qu'il est considéré, est-ce qu'il est considéré comme une monnaie, parce que d'abord, premièrement, je ne connais pas exactement l'halakha, d'accord ? C'est possible qu'avec l'euro, il y a un problème. Le dollar, on le considère de manière générale comme une monnaie en Israël. On peut payer, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, on achetait encore des maisons en dollars, sûrement pas en shekel. Là, c'est un petit peu changé, mais en tout cas... Donc on ne va pas parler du dollar. On va plutôt parler du... Ça m'intéresse, je préfère parler de la livre sterling, de parler du dollar canadien, du yen. Regardez, on va voir là le même problème. En Israël, par exemple, ou comme en France, le dollar canadien australien n'est pas une monnaie courante qu'on peut utiliser. Elle est de ce fait considérée comme un péré, comme un fruit. Et là, on va se retrouver en problème. Lorsqu'on va vouloir prêter, supposons que par exemple, on est en Israël, vous voulez me dépanner, j'ai besoin d'argent, vous voulez me dépanner, vous me dites, bon, j'ai 10 000 livres sterling que vous me prêtez et que je dois vous rendre dans 2 ans, mais attention, de la livre sterling, je vous rends les 10 000. Là, on va avoir un sérieux problème. Parce qu'en fait, on va être confronté au problème de CA-BCA. Il est possible, en tout cas, qu'avec l'euro, il y ait aussi le même problème lorsque des Français... C'est possible que chez les Français, c'est un peu différent. Je ne connais pas bien l'alakha, je ne veux pas en parler. Si vous avez un rave compétent, on va poser la question. Maintenant, on va prendre dans notre mission une solution pour contourner le problème. Personnellement, quand j'emprunte des euros, je résous toujours ce problème de cette manière. Mais en tout cas, il y a en théorie, avec une monnaie étrangère, puisqu'elle n'est pas du tout utilisable, elle n'a aucune valeur dans ce pays présent, alors elle est considérée comme des fruits. Et de ce fait, si vous me prêtez 1000 et je vous rends 1000, on va avoir un problème, parce que peut-être que le cours va augmenter. Et donc je vais vous rendre quelque chose qui coûte plus cher au bout du compte. Donc il y a un problème de CA-BCA, c'est la notion à l'Afrique, elle s'appelle CA-BCA. CA c'est une mesure, d'accord? Une mesure de un CA contre un CA, ça peut être du blé, ça peut être ce que vous voulez, ça peut même être une monnaie qui n'est pas utilisable. À la différence de l'argent, lorsqu'on prête de l'argent, on récupère de l'argent, l'argent c'est l'argent. L'argent n'augmente pas ou ne baisse pas, l'argent il est l'argent. Il est la valeur que selon lui, tout est fixé, c'est pas les autres qui fixent pour lui. D'accord? C'est une notion générale. Donc maintenant, tel est l'interdit initialement de... prêter CA-BCA. Maintenant, on a une permission explicite dans la Mishnah, c'est de prêter lorsque je possède de toute façon ailleurs la même valeur. Par exemple, j'ai parlé de l'exemple du yen, j'ai bien sûr un compte au Japon, je suis très riche moi, donc j'ai un compte au Japon, où de toute façon j'ai déjà de l'argent dessus, j'ai déjà du yen, mais je ne peux pas le tirer tout de suite. Donc je demande à quelqu'un, je lui dis prête-moi s'il te plaît 1000 yens, et je te les rendrai, je les ai sur le compte, d'accord? Puisque ça s'appelle, c'est la même notion qu'il y a dans la Mishnah, qui nous dit « Achi, Yavo Beni, je le possède déjà ». De ce fait, on considère que lorsque vous me prêtez les 1000 yens, alors 1000 de mon compte deviennent Meshubadim, ils deviennent impliqués, vous avez déjà une certaine mainmise sur ces 1000 qui sont quelque part à vous, et donc vous n'êtes plus tellement concerné par le fait que l'argent augmente ou pas, puisque l'argent finalement que vous voulez récupérer, je le possède en théorie, je le possède déjà, donc il est déjà à vous, donc c'est votre propre argent finalement qui continue à augmenter, puisqu'on n'est que dans un interdit de Midrabanan, Chachamim m'ont permis de le faire CA-BCA. Pour le moment, c'est simple. Et si déjà, je vous donne encore une autre notion aussi très simple, ça va être déduit vraiment de la suite de la Mishnah de Hillel, mais déjà je vous la donne, je préfère quand même hiérarchiser les Chidushim de la Mishnah du plus simple au plus compliqué. Encore une halakha assez simple, c'est quelque chose sur lequel on ne porte aucun intérêt sur la variation du cours. C'est tellement minime et faible. Ouais, le prix du lait, des fois on le trouve à la macolette, au supermarché. Des fois il y a une promotion, on essaie de l'avoir à 4,50, des fois il monte à 4,70. Bon, c'est plus ou moins le même prix. On fait pas quelque chose qu'on ne fait pas qu'à, d'accord? C'est la même notion avec le pain. On achète un pain, bon, des fois il coûte tel prix, des fois il peut coûter un petit peu plus. C'est pas quelque chose sur lequel on porte un quelconque intérêt. Sur un cas pareil, Chachamim, c'est implicite entre les lignes en fait, Chachamim permet de prêter une mesure contre une mesure, dans la mesure où c'est pas quelque chose où on a un cours, où il y a un cours fixe qu'on suit constamment, donc on ne porte aucun intérêt à la variation, à l'évaluation du... d'accord, à l'augmentation du prix. Et de ce fait, on a le droit de prêter un contre un, à la différence de Hillel qui va être dans la Mishnah, dans la suite de la Mishnah, qui va interdire un cas pareil. Il va interdire, allez, je vous le fais dans les mots directement, si déjà, pourquoi pas. Vechen, haya, Hillel, Omer, idem aussi, Hillel avait l'habitude de dire, l'otalve, isha, kikar, lechaver, ta, cheta, senudamim. Une femme ne peut prêter un pain, un kikar, c'est un pain,
un kikar lechem. Elle ne peut prêter un pain à son ami, acheta senudamim, jusqu'à qu'elle lui dise attends, je te prête pas un pain et tu me rends un pain. Je te prête une valeur de 5 shekels 90 et tu me rendras un pain qui coûte 5,90. Pourquoi ? Chez Mayo Kiruchitim, Venim Tseu Baot Lider Ribit. De peur que le blé va augmenter, il va s'avérer qu'il va y avoir un interdit de ribit. Puisqu'Hillel parle, c'est le même Hillel qui interdisait dans la Mishnah. Ouais, on va reprendre à la fin toute la Mishnah d'un coup. Mais en tout cas, le même Hillel qui interdit, donc on déduit que Chachamim est en discussion sur lui. Donc Chachamim permet quelque chose qui est minime, où personne ne s'intéresse au cours qui évolue du blé. On n'est pas à sa pré, on n'est pas dans les périodes de shalom, de famine et tout ça. D'accord, un peu plus, un peu moins, on n'est pas à ça près. Idem aussi, on prête entre voisins, on se prête du jus de raisin. Moi, je lui ai prêté telle marque, il m'a rendu même une autre marque. Je sais, j'ai déjà reçu une halakha d'un rav, qu'on avait le droit de rendre un autre jus de raisin d'une autre marque. Même si c'est possible que de manière générale, il coûte légèrement plus cher. C'est pas quelque chose qu'on porte forcément à quelconque intérêt. Chachamim permet, et la halakha est fixée comme Chachamim. Pour le moment, tout va très bien. C'est simple. Donc, je répète tous les réglages qu'on a eus. L'interdit de prêter une mesure contre une mesure qu'on appelle CA. J'ai précisé que cet interdit implique aussi toutes les monnaies qui ne sont pas courantes dans le même pays. Question sur l'euro, demandez à votre rave. Ensuite, on a appris maintenant le cas particulier. Ah, on a précisé d'abord la halakha. Non, on a appris le cas particulier lorsque je possède déjà le remboursement intégral, mais je ne peux pas tout de suite aller le chercher, que dans ce cas-là, on permet de prêter une mesure contre une mesure. D'accord ? Idem donc avec l'exemple que je vous ai apporté avec le yen sur mon compte au Japon. Je l'ai déjà. Donc, tu n'es plus tellement... tu ne portes plus tellement d'intérêt sur l'évaluation du cours, étant donné que c'est ton propre argent qui augmente, quelque part. Je dis bien quelque part, parce qu'on va apprendre dans quelques secondes que ce n'est pas exactement votre argent qui augmente, et c'est en cela qu'il y a une certaine finesse et difficulté. Ensuite, on a précisé le cas de prêter une mesure contre une mesure sur quelque chose qu'on ne porte aucun intérêt sur le cours. Il y a Hillel qui est interdit, mais la halakha est fixée comme Chachamim qui permet, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on regarde même pas le prix, on s'en moque, on n'est pas à sa prêt, on s'en... D'accord ? Ouais. Ça, maintenant, c'est les trois chidouchim. Maintenant, le quatrième chidouch, attention, accrochez-vous, ça va pas être compliqué, mais il faut saisir la finesse. J'en ai moi-même peur parce que j'ai du mal à comprendre cette halakha. D'accord ? Mais le principe, il est là. Regardez. On va illustrer ça, que maintenant, vous allez me prêter 100 $ canadiens en Israël. D'accord ? On a dit, si je possède déjà l'argent quelque part, j'ai le droit de vous emprunter du dollar canadien et de vous rendre du dollar canadien. Aucun problème. Ça, c'est si je possède l'argent. Donc, vous allez me prêter 100 ou 1000, allez, on va rester sur les 1000, vous allez me prêter 1000 $ canadiens. Si je possède des 1000 $ canadiens, alors donc j'ai le droit de vous prêter. Ça, c'est ce qu'on a pris. Maintenant, on va pousser un petit peu le bouchon. Je vais introduire deux halakhot originales par évolution jusqu'à qu'elles vont arriver à la grande bombe qu'on va avoir dans la Mishnah. Je vous le dis tout de suite, là où on va aboutir, c'est que si vous voulez prêter 1000 $ canadiens, même si j'ai un seul dollar canadien, ça suffit. Vous n'allez rien comprendre, vous avez entièrement raison, mais on va maintenant le faire de manière en évoluant. Premièrement, si vous voulez prêter 1 $ canadien, et que j'ai pas de dollars canadiens, mais vous voulez que je vous rende forcément un dollar canadien. Question. Est-ce que je peux emprunter à quelqu'un d'autre un dollar canadien, d'une certaine manière permise, ou peu importe. D'accord ? D'une certaine manière permise, j'emprunte de quelqu'un un dollar canadien, et puis maintenant, donc, par exemple, c'était un goy, où je pouvais faire du CABCA, comme on a pris hier, par exemple. D'accord, j'ai emprunté d'un goy un dollar canadien et je me suis engagé à lui rendre un dollar canadien. Ensuite, maintenant, de vous, je vais aussi emprunter un nouveau dollar canadien. Regardez, là, cette fois-ci, j'ai dans mes mains un dollar canadien. Est-ce que ça marche ou pas ? C'est-à-dire, c'est vrai que je ne possède pas réellement un dollar canadien, mais là, en l'occurrence, j'ai dans mes mains un dollar canadien que j'ai le droit d'utiliser, donc finalement, je le possède, ce dollar canadien. Et là, l'Alaha dit que oui, j'ai déjà un dollar canadien, original, hein, d'accord ? Même si finalement je vais devoir le rendre aussi à lui, mais par rapport à vous, l'interdit de prêter un dollar canadien contre un dollar canadien, quand je possède un dollar déjà, un tel dollar, je le possède déjà, et donc j'emprunte, je possède, ça devient quelque part, ça devient votre argent, ouais, c'est fictif, mais on le considère, donc vous n'êtes plus tellement concerné par la variation du prix, donc on a le droit de faire CA, BCA, d'accord ? Pour le moment, tout va bien ? Partons de ce principe. Supposons maintenant que vous voulez me prêter 2 dollars canadiens, mais je possède un seul dollar canadien. Regardez le coup de vis. Je vais vous dire, vous savez quoi ?
C'est vrai, vous avez peut-être un problème de me prêter le deuxième. Mais vous savez ce qu'on va faire? Prêtez-moi un premier dollar canadien. J'ai déjà un dollar canadien, d'accord? Donc vous pouvez me prêter un. Après que vous m'avez prêté le dollar canadien, c'est-à-dire que maintenant j'ai 2 dollars canadiens. Ben, je peux bien sûr en prêter encore 2 dollars canadiens de chez vous, puisque j'ai déjà 2 dollars canadiens. Et ainsi de suite, une fois que vous allez pouvoir me prêter les 2, j'en aurai 4, donc je vais pouvoir aussi en emprunter 4. Après j'en aurai 8, je vais pouvoir en emprunter de nouveau 8, et comme ça on va monter 8, 16, 32, 64, et 128, et finalement, on va se retrouver avec une halakha très simple. Lorsque vous avez 100 dollars canadiens, il suffit que j'ai un seul dollar canadien dans les mains pour que vous allez pouvoir me prêter les 100 dollars entièrement. Les 100 dollars canadiens, vous allez pouvoir le prêter. Pourquoi? Parce que pour le premier dollar, vous avez le droit de le prêter. Lorsque je vais le recevoir, puisque j'ai déjà un dollar canadien pour pouvoir assurer le remboursement. Or, ce dollar canadien, c'est là le point que j'insistais tout à l'heure. Même si vous allez pouvoir me prêter un dollar puisque j'ai déjà le dollar, mais en réalité, ce dollar-là, il ne va pas vous appartenir concrètement depuis tout de suite. Dans les retrochés de Mishpat, ça ne va pas encore être votre argent. Simplement, il va avoir un certain chiboud, d'accord, mais il m'appartient. Maintenant, désormais, je vais pouvoir avoir 2 dollars. Vous allez pouvoir maintenant me prêter 2 dollars supplémentaires. Et puis après, vous allez pouvoir me prêter 4, et comme ça, ainsi de suite. Donc, au lieu de se prendre la tête à le faire en décomposé tellement longtemps, depuis le début, vous allez pouvoir me prêter les 100 dollars canadiens contre un seul dollar canadien. Et c'est là, finalement, la grande facilité pour laquelle, malheureusement, je ne connais pas la halakha pour emprunter des euros, parce que j'ai toujours des euros quelque part à la maison, on a toujours au moins même une pièce de 1 euro. Donc en fait, dès que je vais emprunter de quelqu'un qui va me prêter un petit 2000 euros pour acheter quoi que ce soit, eh ben, puisque j'aurai quelque part 1 euro même, ça suffit pour que maintenant je peux l'emprunter sans aucun problème. Donc pour la plupart des Français en Israël, on peut bien évidemment emprunter des euros contre des euros, parce qu'on a toujours finalement un petit euro qui nous traîne dans la poche. Même mieux que ça. Il suffit même lorsque vous allez vouloir emprunter 2000 euros, supposons que vous n'avez pas du tout 1 euro, eh ben demandez à votre créancier, qui sera sûrement votre frère ou votre cousin, de vous faire cadeau 1 euro. Il vous fait cadeau un premier euro. Puis ensuite, vous pourrez vous engager à lui rembourser les 2000 euros. Enfin, les 1999. L'idée est claire, et sur ça, bien sûr, Hillel discutera et ne sera pas d'accord avec ça, mais la halakha sera fixée dans le Chachamim, c'est les mots de Hillel Oser. Maintenant qu'on a expliqué toute la Mishnah, on la refait maintenant dans les mots. « Lo yomar adam l'chavero alveni kor chitin vanyetanecha l'agoren » Un homme ne dira pas à son ami « Prête-moi une mesure de un cour de un chitin et je te le rendrai plus tard lorsqu'on arrivera à l'époque du goren, des granges. » Aval omer lo, par contre il a le droit de lui dire « Alveni adjeyavo beni » « Prête-moi cette même mesure » jusqu'à que mon fils vienne et qu'il me rapporte que je l'ai déjà envoyé acheter au marché, et je te le rendrai. Ou encore, au Hachem Tzamafter, jusqu'à que je retrouve la clé. Et puisqu'au moment où on emprunte, on a le droit, même si finalement je vais retrouver la clé, je ne serai pas obligé de venir rembourser tout de suite, je pourrais faire traîner le remboursement de cette dette pendant même 1 mois, 2 mois, 3 mois, si on est d'accord. De ce fait, d'accord. C'est là le feu vert donné pour emprunter une mesure contre une mesure. Et dans tous ces cas-là, Vehilel Oser, Hillel interdit de faire un tel emprunt d'une mesure contre une mesure, parce que finalement, il va avoir une variation de prix. Et concrètement, puisque le créancier ne devient pas réellement possesseur de ce que j'ai déjà dans mon coffre qui est fermé à clé, il n'y a pas de kinyan dans le prochain Mishpat, il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas lui-même possesseur. Je peux, une fois que je reçois, que je retrouve la clé, je peux prendre tout ce blé, même le brûler même. Et l'autre, il va se retrouver. Donc, puisqu'il ne lui appartient pas, alors Hillel n'est pas d'accord de faire cette solution. D'accord? Donc, après Hillel, on a voulu traiter, mais la halakha n'est pas fixée comme Hillel. Et la Mishnah continue. Vechen aya Hillel Omer. De même, Hillel avait l'usage de dire quelque chose d'encore plus, tout aussi interdit en fait. C'est le deuxième chidouche. L'otal veisha kikar le chavertat cheta senodamim. Une femme ne pourra pas prêter. Un. Kikar lechem, un pain à sa voisine, acheta senudamim, jusqu'à qu'elle va le traduire, elle va l'évaluer, l'estimer à un prix fixe. D'accord? On ne peut pas prêter un pain contre un pain. Il faut dire un pain, ça a coûté 5 shekels 90, alors tu me rendras un pain qui coûte 5 shekels 90, sinon tu me déduiras. Shema yokiru chitim, de peur que lorsqu'elle va venir me rembourser, la rembourser, la voisine, le blé va augmenter, nim se ubaor, baot les deribit, et il va s'avérer que ces femmes vont transgresser un interdit de ribit, donc de machlokot. D'accord? On fait ça maintenant dans les mots, dans le Barthénora. Halveni acheyavo beni, prête-moi jusqu'à que mon fils rentre. Alors le Barthénora nous dit, dekevan cheyesh lo shapir ami, étant donné que j'ai déjà
je possède déjà ce que je prévois de te rembourser, alors là c'est permis. Car Chachamim n'ont interdit uniquement lorsque je ne possède rien du tout. Là, il y a un interdit de ce qu'on appelle CA, BCA. Une CA, une mesure contre une mesure. Et maintenant, le partenaire nous précise maintenant, même si l'emprunteur ne possède qu'une seule CA et qu'il va en emprunter 1000, l'OV aléa kamakourine. Il pourra emprunter sur cette même CA plusieurs cours. Un cours, c'est 30 CA. Donc plusieurs courines, vous imaginez, d'accord? Même 100 fois, même 200 fois, même 300 fois. Pourquoi? Des kol chada vechada amrinan zotehe tartea. Le Barthénor ne l'explique pas comme ce que je l'ai expliqué exactement en réalité. Moi, ce que je vous ai expliqué, c'est fondé sur le Magid Mishneh, sur le Rambam. Ça va porter dans le Tosotium Tov ici. Lui, il se contente uniquement de dire, parce que finalement, face à, contre chaque CA que j'emprunte, je peux dire CL sans remboursement. Il ne fait pas le jeu du cumul de... 1 contre 1, c'est permis, donc après je me retrouve avec 2, puis après je me retrouve avec 2. Il ne rentre pas dans tous ces détails. Il dit uniquement, celle que je possède ici, elle peut rembourser 7 CA, ou 7 CA, ou 7 CA là, ou 7 CA là. Donc j'ai un droit d'emprunter de chacune de ces CA. Décol chada vechada amrinan zo tehe tartea. Car en contrepartie, contre-valeur de chacune des CA que j'emprunte, parmi les 1000 CA, alors on pourra dire celle-là, elle vient rembourser pour celle-là, elle vient rembourser pour ça. Share en aknuya la malvé, puisque concrètement, le malvé ne devient pas possesseur de cette mesure de une CA. L'emprunteur ne devient pas possesseur. C'est simplement, il sait que maintenant il va pouvoir récupérer cette mesure-là, mais pour le moment, il n'est pas encore possesseur. Donc de ce fait, obeyadalové le mochra ou la ochla. Concrètement, l'emprunteur a encore le droit, s'il veut, de la manger lui-même ou d'aller la vendre à quelqu'un d'autre. De ce fait, il pourra ensuite partir emprunter d'une autre personne ou bien de cette même personne, emprunter deux fois ou trois fois ou dix fois à la même serre. Pour chez lava kolachat va'achat, lava bet. Il s'avère que chacune d'entre elles qui a été empruntée, elle a été empruntée avec permission. On se rapporte maintenant sur la suite, la fin de la Mishnah, le deuxième cas du kikar, où il y a une toute petite variation où, sur laquelle on ne porte que pas du tout d'intérêt même. Donc, il est l'interdit. Et la Rabbatan Ron nous dit Ven alacha ke ilel. La alacha n'est pas établie comme ilel. Et la alacha ke chachamim, shomrim, lo vinstam, ou por instam, que chachamim nous permettent d'emprunter sans préciser, sans rien dire, sans faire un portée d'intérêt sur la petite variation, et de rembourser ensuite sans portée d'intérêt à cette évaluation du prix. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, kol tov, selah.